Bien sûr, les supporters, ils sont présents, on les ressent. Même ici, même là, sur un match où il y a un peu moins de monde, on sent quand même qu'ils sont là. Et je parlais avec un ancien coéquipier qui me disait que quand même, sur un match comme ça, ils ont ressenti qu'il y avait des supporters. Donc, nous, on sait qu'ils sont là. Maintenant, on sait que parfois, ils sont un peu frustrés. Et on arrive à comprendre. Après, maintenant, moi, je pense que ce serait bien qu'ils continuent à nous encourager parce qu'on a besoin d'eux sur cette fin de saison. Il reste pas mal de matchs. On est sorti de la Coupe de France, c'est comme ça. Maintenant, nous, on bascule. On bascule, il y a le championnat, on va se concentrer dessus. Et on va tout faire pour remonter au classement et sortir de cette zone. C'est une soirée paradoxale pour toi, parce que ça a fait un très bon match défensif. Peut-être un des meilleurs de ta saison, et malheureusement, bon, c'est la loterie, t'as raté ce tir au but. C'est quoi le sentiment que tu as sur ce match? Peu de déception, parce que je rate mon pénalty. Maintenant, oui, il y a eu du bon dans le match. Maintenant, je vais passer à autre chose. Dans la situation où on est, franchement, j'ai même pas le temps de me morfondre. On garde la tête haute, comme j'ai dit, on se relève, on va continuer de travailler pour... Il y a des guerriers dans cette équipe, il y a toi, il y a Dimitri, vous allez vraiment vous investir pour que tout le monde aille dans cette... Que les jeunes, que tout le monde soit dans cet état d'esprit-là. Bien sûr, on s'investit tous. Je pense que tous les coéquipiers ici sont conscients et tous veulent changer les choses, donc voilà. Merci beaucoup.